J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale, on va pas se mentir. Hein. On est tranquille comme ça. Pour une patrouille habituelle, normale. Hein. Non, pas du tout. On est avec un énorme blindé. On est en tenue surblindée. Pourquoi nous sommes tellement blindés? Tout simplement, pour vous la faire courte. D'accord? Non, s'il te plaît, la caméra. Voilà. Donc, pour vous la faire courte, je vais essayer de vous l'afficher le plus vite possible. Parfait. Nickel. Nous sommes bons. Donc, la ville a décidé de faire passer le DEFCON 1. Donc, du coup, un peu, c'est un peu la galère, hein, c'est la guerre, clairement. Donc, du coup, j'ai décidé donc de me faire aujourd'hui une vidéo spéciale unité d'élite, unité d'assaut, unité de protection. Si jamais nous avons un problème, donc on intervient, on est tout le temps armé sur nous. Et donc, du coup, on est en mesure d'intervenir. Donc, du coup. C'est parti, on va y aller. Donc là, on est seul. Peut-être que il y aura une partie 2 avec un collègue ou autre. Mais donc, du coup, c'est parti. Donc, parfait. Ah, bonjour. Monsieur, vous avez un beau crâne. Et c'est parti. Let's go. Attends, pourquoi ça tire? Ah, ça se barre, hein. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est qui a tiré? J'en sais rien, j'en sais rien. C'est moi. Ah, c'est vous qui avez tiré, monsieur? De la police. Non, non, en fait, j'ai tiré sur quelqu'un qui frappait des agents de police et qui m'a Mais... qui C'est quoi ça, au fond? le tue et il a pris un déchirement. C'est le coroner. Non, monsieur. Tu fais quoi toi juste C'est sur le lui qui toit m'a là? tiré dessus, ce connard. C'est lui, il m'a tiré dessus. Hein, tête de bite. Gros crâne. Hop hop Ta hop 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 mère, hop ta hop. mère, la caissière. Ta mère, je la prends. Oh, Lulu. Oh, je parlais plus. Chérie, chérie, J'étais une petite chérie, chienne. chérie, alors. chérie. Oh, par contre, Je vous, vous prends oh, monsieur. vous vous calmez, d'accord? C'est nous qui gérons ça. Allez, vous prenez le Quoi? véhicule. C'est vous qui. Vous prenez le Mais tu véhicule, fais on s'en va quoi? là. Allez, hop, hop, hop. Pardon? Ta gueule! Allez, vous circulez, Ferme ta monsieur. gueule! Monsieur, vous Ça, c'est pas circulez. gentil, ça. Monsieur, vous circulez. Ta tête, Dépêchez-vous. on dirait Choucrane. Eh ben voilà, je vais niquer sa mère. Monsieur, vous Allez, circulez. hop, vous m'énervez. Non mais. Là. Bah, je suis ok. D'avoir un crash aérien apparemment. C'est la putain de merde. Descends du véhicule. 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 La chambre d'arrêt du papy. Descendez de ce véhicule tout de suite, LSPD. Descends du véhicule ou j'appelle les chiens. Faites un mouvement brusque et on vous tire dessus. On sort maintenant, on se dépêche. Je lui mets les menottes. Ok, vous vous apprêtez à l'interpeller, je vais le faire sortir de force. Ok. Ça se barre, ça se barre, ça se barre, ça se barre. Non mais tirez pas dessus! Tirez pas dessus, tirez pas dessus. Ok, suspect armé. Bouge pas. Allez, maintenant t'es braqué par une M4, donc tu te lèves et tu mets les mains en l'air, dépêche-toi. Il est pas mort. Non, non, il est pas mort. Non, 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 il simule, il simule. Ok, Ok, par contre, je peux j'interpelle. pas lui mettre des menottes. Je l'interpelle, je l'interpelle. Écartez-vous. Non, mais, ah, mais Tu vas écartez-vous. comment? Mais c'est une fille ou un Voilà, mec? c'est bon, normalement il a les C'est une menottes. fille. Enfin, Parfait. ta gueule. Dans femme, Ok, monsieur, donc je vais vous mettre dans mon Attends, je vais véhicule, mettre d'accord? Et je vais vous transporter au poste de police.
lui par contre on va le mettre en prison pour longtemps, non? On verra les procédures. Ah bon, j'arrive pas à le lâcher. Aïe, 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 arrête. Aïe, mon pied est dans le... Ouais, vous inquiétez pas, c'est une nouvelle technique. Oh my god, arrête. Oh, lâche-moi. Par contre, on a nos véhicules. Au pire, on va les chercher après. Tenez, je vous voilà, je vous déposer à votre véhicule. Lâche-moi, sinon je me suis... Voilà, voilà. Attends. Lâche-moi. Lâche-moi. Je suis laisse 3 secondes. Monsieur, ça marche pas comme ça. D'accord, monsieur. Ok, vous êtes menotté, je vous rappelle. Hein. Première interpellée, les gars, ça dégage. Ok. Alors. Quoi alors? Alors, attendez deux secondes. Lâche-moi! Alors, j'arrive pas à vous lâcher. C'est ça le problème, en fait. J'arrive pas à vous lâcher, c'est ça le problème. Comment déjà vous m'avez pris? Ce qu'on peut faire, vous voyez le poste de police de Mission Row, vous allez vous... En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous téléporter là-bas et vous revenez là. Ok, alors j'arrive tout de suite. Bam. J'arrive. Ok, nickel. Aïe 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 aïe. Monsieur, vous êtes où? Je suis là. Je descends. Ah, je crois. Ok, bah elle est en bas. Je suis en bas dans les cellules. C'est bien, le gars il joue bien. Enfin, il joue bien. Tu m'as compris. Tu où vous étiez? Ah. Ouais, parfait. Alors, monsieur, j'ai activé les haut-parleurs. J'ai activé les haut-parleurs, monsieur. Pop, 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 monsieur. Donc, vous allez vous mettre en face... Donc là, monsieur, vous mettez comme ça. Parfait, nickel. Et vous ne bougez plus. D'accord? Vous ne bougez plus. De quoi? Ne bougez plus, je vais prendre une photo. Je rappelle que vous êtes menotté. Ouais, mais... putain, j'arrive pas à mettre... Non, monsieur, vous vous relevez. Oh, il va me gonfler, ce mec. C'est quoi ça? Parfait, je viens vous chercher. Oh, t'es beau, toi. C'est compliqué, les gars, c'est compliqué. Allez, monsieur, on y va. Oh, monsieur. Ouais. Allez, vous me suivez. Ouais. Monsieur, je suis menotté, je peux pas ouvrir la porte. Monsieur, vous avez juste à pousser la porte. J'arrive pas. Et bah. Non mais oh là là mais. T'as vu? Allez, on y va. Ah c'est bon. Je dois enlever mon bonnet, ma lunette. Allez, vous allez dans cette cellule. Oh. Oula! Attends, je vais hop, 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 hop. Allez, en cellule. Je vais brûler. En cellule. Okay. En cellule, tout de suite, monsieur. Hop, je vous ai ouvert la cellule. Bon, par contre, dernière fois, sinon je vais vraiment vous prendre et je vais vous mettre de force dans la cellule. Ah ben non. Ah ben non. Tu vas voir, ah ben non. Non, c'est moi. Allez, maintenant, vous êtes en cellule. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est moi.
Lâche-moi. Lâche-moi. Vous voulez vraiment que je vous lâche? Tu peux me lâcher s'il te plaît? Monsieur, si je vous lâche, ça va être violent. Non mais me lâcher, mais genre me démenoter. Bah attendez, j'arrive pas à vous quick, donc bon, allez, on... Hop. Moi, je suis toujours pas mort. Attends. Yeah, yeah, wouhou. Ciao. Ouais. Hop. Ouh. Ah. Je t'ai remis ici. Ah mais du coup le gars c'est bon, il est en prison donc c'est bon, t'inquiète pas. Voilà. Et tu vois le mec que t'as report là, Isaac, j'ai ouais. Pas le ban mais je l'ai kick parce qu'il trollait. Ouais, enfin un troll extrême quand même hein. Ouais non mais en fait je peux pas le ban, moi j'ai pas. Ah ok d'accord, ouais ok bah ouais bah faut le transmettre aux autres alors. Ouais t'inquiète, je demanderai à Julien de le ban. Bah ok, pas de problème. Bien, ouais les gars, donc du coup on est reparti pour cette fois-ci, donc une nouvelle patrouille. Donc on a interpellé notre premier mec, donc comme j'ai dit, le but de la patrouille les gars, ça va être surtout d'être là pour renforcer la police. D'accord. Bonjour monsieur, il essaie de danser. Chef. C'est quoi ce caca? Tiens, un moins. Comment il s'appelle? K-Dop. K-Dop. Eh, tu peux pas te lire. Ça dégage. Après le comico, s'il te plaît. Ouais, pas de soucis, t'inquiète pas, je donne une parée, t'inquiète. Y'avait qui? Y'avait. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va se garer là. Et on va s'occuper de faire maintenir l'ordre au poste de police. En commençant par prendre un véhicule anti-émeute. Donc, véhicule anti-émeute, j'ai ça. Ok, parfait. Alors, on y va. T'es tiré! Non, mais les gens. C'est qui qui tire là? Le couteau au bout de la... FTR flic. Tu fais quoi toi? Ok. Part, c'est bon. Oh. Ok, donc on va prendre ça. Donc on part les gars pour le congrès qui apparemment a été pris d'assaut. Ah, pas qu'on prenait ce véhicule. Non mais j'essayais de faire le ménage sauf que on peut pas là. Allez, let's go, c'est parti. Les gars, on s'écarte pas. Enfin, on s'écarte. Parfait, je vois où c'est. Alors ça fait mal, mais ça fait très mal. Ah bah mec, tu m'étonnes que ça fume. On va aller faire un petit tour au mécano. Nickel, parfait. Bon par contre la Navy, je suis pas sûr. Ah,
Je suis pas sûr que la Navy ça soit un truc très très. Ah oh, ouais, y a du people sur place. Bonjour. Pardon, poussez-vous, 800. Poussez-vous. Ah bah laissez-moi manœuvrer. Il est mignon lui. Et c'est encore une très belle prestation de l'US Army. Oui, oui. M'a pas agité, mais salut. C'est contrôlé ou pas sur place? Ouais, vu toute l'armada qu'il y a, je pense que là, y'a plus trop de risques. Bon bah c'est parfait. Vous savez ce qui s'est passé. Ok, let's go, on y va. On remonte. Oh là 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 là. Oh oh. Pilotage de pro, les gars. Ok, on va repartir. Donc cette fois-ci direction Mission Row. Hein. Donc ça va vraiment être notre secteur, mais ça va être Mission Row et tout. Et s'il y a des problèmes, on sort l'anti-émeute, clairement. Hop, on s'attache. Oh ah bah il va très bien. Il va aller, ça doit aller, ça doit aller. Le gars il arrive comme ça, c'est rien à faire. Ouais, ok, d'accord. Attends, le mec il prend ça. Ignorez-le, ignorez-le. Les gars, je vais vous foutre un coup de pression. La Vixie revient, je vais vous foutre un coup de pression. Attendez. Allez hop. Déjà vous allez sortir du véhicule. Allez vous sortez du véhicule maintenant, on se dépêche. Mais il m'a dit de venir. Allez vous sortez, dépêchez-vous. Non, j'ai dit, tu n'es pas. Et tiens, t'as foncé sur mon véhicule donc tu descends. Mais on sort du véhicule maintenant. Tu l'as sorti de ton petit zizi. Dépêche-toi, sors du véhicule. Me fais pas répéter. Attends, moi je peux pas lui mettre les menottes. Je te l'aimais. Oh. Oh, main en l'air, tout de suite. Il faut interpeller, hein. Tu mets tes mains en l'air, t'es braqué par une arme. Mets tes mains en l'air. Tes mains en l'air. Que je t'avais pas vu. T'as gagné. Attends. Et toi, t'as perdu ouais. Parce que t'es moche. Écartez-vous pour les menottes. Oh.
Tu bouges encore une fois, t'es mort. Peut-être pas à ce point-là. Peut-être pas à ce point-là quand même. Hein. Là, non, lâche. Hop, c'est bon, proche. Il est menotté. Je te laisse t'en occuper. T'es sûr que j'aurais menotté? Ouais, il est menotté. Il est où? Ok, je vous foutre. Et t'évites aussi de passage t'évites de force RP si tu veux pas te prendre un warn. De quoi? Éviter deux? J'ai pas entendu. Ah tiens. Tu peux répéter s'il te plaît? Bah tiens. C'est fou, hein. Quand ils veulent faire leurs actions à deux balles, ils ont une ouïe, mais alors irréprochable. Limite ils entendent des trucs que toi t'entends pas. Mais alors quand il s'agit de... Oh là là. Et donc du coup, ouais, quand il s'agit de prendre un ward ou un truc comme ça, ah là, tout de suite, ça parle chinois. Bon, on va écarter la carcasse. Allez, un petit coup dedans là. Je pense que c'est la voiture de police qui fume. Nickel, circulation réouverte. Ok, coup de feu. On confirme donc des coups de feu au niveau du poste de police. Allez, on se détache. Donc on part du coup pour... Alors, j'ai juste fermé le véhicule, voilà. Donc on part pour des coups de feu. Non. S'il te plaît. Ok. On reste vigilant. Ok, on rentre. Fais gaffe à la porte. Ok. Ok, on rentre. On inspecte toutes les zones, hein, les gars. Okay. Lâche-le. Lâchez-moi s'il vous plaît. Je peux pas, j'ai un bug. Ah voilà. C'est quoi un bug? Par contre, t'évites de chercher s'il te plaît. Ok, sinon c'est un warm. Tu parles à qui en fait? Qui? À toi. À toi. Ok. Et on entend des gens, les gars. Tu veux? Vous avez le droit de me lâcher si vous relâchez à ce droit. Ce que vous direz pourra et sera lâché contre moi devant un de justice. Ah, mais je l'ai encore en fait. Lâche-moi après. Ça fait 3 piches que tu me tiens. Ah, ouais, même pas d'interrogatoire. Si. C'était quoi la raison des coups de feu? Monsieur. On peut faire l'interrogatoire. Non, y'a pas d'interrogatoire, y'a pas d'interrogatoire. La salle d'interrogatoire. Attends. Ah non, mais là vous m'avez pris là, je vous remercie, officier. Attends, mais c'est parce que je le vois pas en fait, mec. Je sais pas si je l'ai encore. Non, tu l'as, je te confirme, tu l'as. Okay. Emmène-le en cellule et puis voilà. Okay. Oh, c'est quoi ce bazar encore? Il est con! Lâche-le. Ok. Quant à son véhicule, hop. Ok, coup de feu. On repart les gars pour des coups de feu. What the fuck? Il y en a genre un FIB au sol. Bon, on a eu la localisation des coups de feu, c'est pas mal. Ah, ça se déplace. Bien, ça se déplace. Ok, donc ça se déplace. Oh oh. Oh. Ok.
Bon, oh là là. Ok, code 99 dans les cellules. Les gars. Mais pourquoi tu vois pas? Oh! Normal, on est en prison. Ah. Ok. En prison. Ok, c'est pas grave, vas-y, avance. Qu'est-ce que. Oh, non, monsieur! Fait, je suis sur le oh! Les gars. Faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites? Eh bah, attends là-haut. J'arrive, t'inquiète. Eh arrête de gueuler. Monsieur, alors, posez votre arme. Posez votre arme. Reculez. Tout va bien. Mais il fait quoi lui? Non, laisse-le, il était. En fait, c'est qu'il a eu un petit problème de cerveau en fait. C'est pour ah, mais il a de la chance parce que. Il a de la chance parce que j'étais vraiment à deux doigts. Putain. Enfin, bref. Moi, je veux repartir avec le prisonnier là. Je veux repartir avec le prisonnier. Dans ce cas-là, vous me repassez l'autre. Vous me repassez l'agent et je vous laisse partir. Non, parce que sinon, vous allez me tuer. Non, monsieur. Je suis un homme de parole. Arrêtez de mentir. Monsieur, je vous demanderai s'il vous plaît, de me passer l'agent de police. Oh bah parfait. Voilà. Attendez. Arrêtez de parler, j'entends pas le monsieur. Vous me repassez l'agent de police et je vous laisse partir. Non, sinon vous allez me tuer, je le sais très bien. Non monsieur, je ne vais pas vous tuer, je vais pas tirer dans un commissariat qui est un lieu public enfin. Je suis pas comme ça moi. Je vais vous le livrer après. Est-ce que monsieur, je pourrais savoir par où est-ce que vous allez repartir? Comment? Vous allez repartir par où? Vous êtes qui vous? Je suis là pour vous aider. Vas-y, retourne-toi et tu vas. Mais vous êtes qui? Hep. De l'autre côté là. Vous êtes côté. Je suis là pour vous aider. Je suis gentil. Ouais, vous lâchez votre arme. Putain, il se barre. Avance, dépêche. Il se barre, allez. Fonce. Vas-y, vite. Bougez. Retourne-toi. Arrête. Viens là, stop. Bouge pas. Je vais prendre la main. Dégagez. Ah bah, j'avais pas vu. Vas-y, entre dans la pièce. Descends dans la pièce. Vite, on va se faire niquer ce mur. Alors, est-ce que je le prends en otage? On le prend en otage. Le temps qu'on n'est pas sorti d'ici, on n'a pas le choix, ça. Alors, maintenant tu vas pas faire que je dis. Monsieur, vous êtes cerné. C'est dégueulasse, putain. Tiens. Arrêtez. On a un otage. Bon, écoutez, on veut de l'argent contre l'otage. Non monsieur, c'était pas comme ça que vous avez prévu. Ok, alors on veut juste partir, mais reculez. Monsieur, et moi je vous ai demandé de répondre à une de mes questions, qui était par où est-ce que vous allez partir? Non, on vous dira pas où. Eh bah si vous me direz pas monsieur, on ne bougera pas d'ici. On ne lancera pas un assaut, mais on restera là. Sauf que là c'est nous qui sommes en position de force monsieur, on a votre collègue en otage. Bien, messieurs, je vais vous demander d'attendre dans cette pièce le temps qu'on sécurise le commissariat. On va sécuriser le commissariat pour que vous puissiez sortir. Allez, venez-vous. Levez cette putain de tirage. À travers là. Les agents, vous venez. Tête de bite, on le voit là, de la chaîne d'interrogatoire là, dégagez-la. Les agents, vous venez. Bouge. Recule, ils vont me faire péter les noix. Oh les abrutis de service, vous venez ou quoi? Donc là on a toutes les otages. Il faut 3 ans pour réagir. Bon, du coup on négocie parce qu'il faut quand même la porte. Ici, par là. Ok, ce que je vous propose, c'est qu'on engage un. Enfin, je vais mettre. En tireur d'élite, là ils ne peuvent pas nous entendre, on n'est pas dans le couloir. Ils nous entendent pas. Donc du coup, ce que je vous propose. Ouais, vous inquiétez pas, de toute façon ils nous entendent pas, on n'est pas à côté d'eux. Donc du coup, on va se mettre, enfin, je vais me mettre en tireur d'élite et comme ça, s'il y a des
Oula, ça tire. Je viens de voir une ombre dépasser. La porte. Jean-Claude, le cache. Monsieur, attendez. Monsieur. Hop. Faites quelque chose. Monsieur. Allô. Vous voulez jouer à ça? Vous faites un mauvais jet, je le tue. Mais je le vois pas, le mec. Ouais, non, on le voit pas, mais il l'a toujours. Wesh. On le voit pas, mais il l'a toujours. Il est invisible pour moi, c'est pas grave. Pourquoi... Ouvrez le garage. Pourquoi tu me pentes? Le garage est ouvert, monsieur, le garage est ouvert. Je mets un otage, je descends. Oh les gars, je vous avais dit, je vous aiderai. Alors non, voilà. Ça par contre, c'était pas dans le deal. Ah ben... Pourquoi il y a une moto? Tu fais rien. Attends, tu me dis s'il y a quelqu'un de... J'ai peur. Quoi? Qui est là? Où? Comment? Hein? Relâchez-le! Non, on relâchera personne. On vous en fait là une position où il y en a tous les joutans. Relâchez-le! Relâchez les dernières fois, messieurs. Est-ce qu'on les lèche? Par contre, pourquoi je viens de me faire tirer dessus? Non, par contre, c'était pas convenu, ça. C'est n'importe quoi. C'est juste mais tellement nimp. Sachant que je suis seul, le gars, ils ont rien, nada. Ils sont encore en plus. Hey Marco, il y avait rien de HRP dans ce qu'on a fait. Non, mais c'est bon, ça me gonfle. On vous a dit qu'on n'était pas dans le même couloir, que vous puissiez pas nous entendre. Vous faites quoi? Vous nous entendez? Vous faites juste du méta et ensuite vous faites quoi? Là, il y en a un qui me tire par derrière. Pourquoi tu m'as tiré par derrière? Et pourquoi tu m'as tiré dessus en fait? Vous nous avez dit. Pourquoi tu m'as tiré dessus? Parler dans une autre salle, donc nous on en a profité pour se barrer en fait. Et pourquoi tu m'as tiré dessus? Y'a rien de. Et pourquoi tu m'as tiré dessus? Mais je t'ai tiré dessus parce que moi je voulais récupérer mon ami. De base, c'était notre but, c'était de se barrer à deux, c'était pas de se barrer tout seul. Ouais, d'accord, super scène. Ferme-la un peu. Dans tous les cas, il y avait rien de HRP. Ouais, il y a juste un gars qui se ramène sur la scène en plus, mais c'est pas grave. Sniper, je te nique. Bon les gars, on va se la faire cette dernière scène. Putain. Rien. Ouais. Voilà. C'est ça qu'on aime. C'est encore vous? Ouais bah non en fait, je joue pas la scène. Je joue pas la scène.
m'en fous. Je vais pas la jouer la scène. J'ai été patient assez longtemps. Regarde, mec, ils viennent pour me faire du force RP. Oh. Je m'en fous, je joue pas avec la scène. Mais c'est nimpe. Ah, je reviens pas. Un truc de fou. Oh. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ok, mais tu sais quoi, je vais te la faire ta scène, frérot. Je vais te la faire au sniper. Ok, allez, bouge pas mon pote. Vive la masse RP. Frérot, bouge pas. Dans 2 secondes, t'as plus de tête. Du coup les gars, on va clôturer cet épisode un peu what the fuck. Putain, je vois pas. Ok, monsieur. On va aller faire un périmètre de sécurité, vous restez là, d'accord? Comment ça, je te pas bien? Le flé de tout verrouillé. Attendez, je prends un mégaphone. Bien messieurs, donc du coup ouais. on va faire un périmètre de sécurité, d'accord? Vous restez là où vous êtes. D'accord. Vous restez là où vous êtes. Oui, d'accord, je veux juste un véhicule, hein, parce que oui, on va vous le ramener, vous inquiétez pas. Donc les gars, on va faire le grand tour. Ok. Donc c'est parti les gars. Ok. Putain, ça va être chaud. Ok, vous êtes prêts les gars? Ok, ok. Ok, vous allez bien? Non mais, vous faites quoi vous là? Oh! Non mais, là vous portez un... Non mais là vous portez un mort là. Ouais, je l'ai pas loupé. Sa tête, je l'ai pas loupé. Hein. Franchement, la tête, je l'ai pas loupé. Non mais, arrêtez mais... Oh, mais... Attendez, est-ce que vous m'autorisez à... Attendez, monsieur... Alors, ça va être compliqué. Est-ce que vous m'autorisez... Monsieur, est-ce que vous m'autorisez à vous tuer, là, le mort? Monsieur? Monsieur, je vais être obligé de prendre ça pour un oui. Ah, bah ça va être compliqué de vous débloquer. Quoi? Ok, d'accord. Mais il se prend une balle de sniper dans la tête, il est vivant. D'accord, ce gars est un miraculé, il vient de se prendre une balle de sniper dans la tête, il parle encore. Ça va être simple.
Bon les gars, donc voici ce qui se termine notre épisode un peu what the fuck, à la fois what the fuck, à la fois RP, à la fois non RP. Voilà, on a eu un peu de tout, on a eu du non RP, on a eu du vraiment du RP. Franchement, bon, de base je voulais pas faire la scène, mais on va pas se mentir qu'elle était quand même vachement stylée à la fin avec le sniper et tout. Le gars s'y attendait juste tellement pas. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et nous on se dit à tout ciao pour une prochaine vidéo. C'était The Game, à plus.